Hey, c'est tout le monde, c'est Galax, c'est bon aujourd'hui sur Spider-Man pour une nouvelle aventure, un nouveau let's play sur la chaîne. Un jeu, j'en suis sûr, que vous attendez tous, et moi aussi, je suis comme un petit fou, vraiment, c'est l'un des jeux que j'attendais le plus en cette fin d'année 2018, et on va enfin pouvoir le partager ensemble. Franchement, j'ai hâte, on est parti les amis, et je vous invite, comme chaque début de série, à bombarder la barre de like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. On est parti! À toutes les unités, mobilisation de niveau 4, emplacement tour Fisk. Fisk ? Soit en 1084 à la tour Fisk, toutes les unités en stand-by, attente de mandat. On te lâche dans New York et là tu fais waouh, ça claque tellement. Allez, on est parti les amis. R2 pour se balancer. Ok. Quelle fluidité, quelle agilité déconcertante. L'homme araignée incroyable. Et on peut sauter avec la touche X hein, du coup. Hein. Voilà, pour reprendre de la vitesse, ça c'est plutôt bien. Et pour aller plus haut, bien évidemment. Capitaine Watanabe. Est-ce que vous l'avez arrêté? Non, on est à la tour Fisk, mais on n'a pas de mandat. Ça vous dérange si je joue avec vous? Vous connaissez tes avocats. On doit faire preuve dans les règles. Allez, Yuri, ça fait 8 ans que j'attends ça. Vous voulez m'aider? Allez à Times Square. On dirait que ces hommes essaient d'empêcher les renforts d'arriver sur place. Ok, comme si c'était fait. Ok, direction Times Square. Alors regardez, on peut réaliser un saut d'araignée. Donc ça, il me semble que c'est pour aller sur un côté. Alors on peut le faire également tout droit. Mais vu que j'ai déjà un petit peu joué au jeu, effectivement, j'ai eu la chance d'y jouer. Et bah regardez, ça sert à aller sur un côté. Tu vois, hop, tu te rediriges, par exemple, à gauche, à droite. Et c'est Allô vachement pratique. Peter, où es-tu? Nous devons répéter la démonstration au moins une fois avant l'arrivée du comité de subvention. Oui, pardon, je règle un problème personnel. J'arrive tout de suite, promis. J'ai intérêt à me dépêcher pour être à l'heure à mon vrai job. Hey Peter, faut aussi penser à payer tes factures, hein. Coquin, va. C'est bien de sauver le monde. Mais bon. Ah, très bien. La cavalerie arrive. Ça, c'est good. Hein. Times Square, officier prêt pour cible. Sortez le poids lourd. Salut les gars! Alors, on attend pas Spidey? Alors appuyez sur triangle pour réaliser une frappe de toile. D'accord. Ok, carré pour attaquer. Alors votre sens d'araignée s'affichera autour de votre tête pour vous prévenir des attaques imminentes. Lorsqu'il apparaît, préparez-vous à esquiver. Ok, et on esquive avec la touche rond. Hop là! Génial! Allez, on va les massacrer! Ah bah d'accord, le mec il m'apprend à esquiver direct, qu'est-ce que je fais? Je me prends un coup. C'est super, mais je pense que c'est pour vous montrer effectivement. C'est parti!
ça castagne, j'adore. Alors, en tout cas, autant vous dire que c'est hyper dynamique, hein, clairement. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Oh là, alors appuyez sur rond et le stick pour esquiver sur le côté. Ok, hop là. Appuyez sur R1 de façon répétée pour entoiler vos ennemis. Ok, on esquive. Ok, ne frappons pas dans le vide par contre, ça sert à rien. Attends, c'est quoi ça? Ah, on peut choper les objets avec L1 plus R1, super. Projection aérienne, donc on maintient carré. Et puis après, effectivement, on peut les frapper dans les airs, easy. Oh, ok, t'as vu, je passe en dessous. Spider-Man, où en êtes-vous? C'est presque fini, et vous? On est sur le point d'entrée. Me dépêche. J'ai hâte de voir la tête de Willy quand vous lui passerez les menottes. Alors honnêtement, on va devoir s'y faire, mais ça a l'air juste ultra jouissif. Ok Yori, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Yori? Yori! J'arrive Yori! Dégagez la voie, atteindre la tour Fisk. Fisk se laissera pas faire. Ah que oui, le connaissant. Et d'ailleurs les amis, dans ce Spider-Man, on va bien sûr retrouver énormément de méchants très connus de l'univers. Du comics, on va retrouver Scorpion, on va retrouver Octopus, on va retrouver Shocker, évidemment. Bref, tous les méchants qu'on adore. Demandez des renforts et verrouillez l'espace aérien. Yori, tout va bien? S'il arrive à sortir du bâtiment, on va le perdre. Du coup, je vais... Ouais, allez-y. Yes! C'est le grand jour, Willy! Allez, allez! Lancez! Mets garde! Hé, où tu vas comme ça? Cadeau! Je vous prends la voix! Suivez-moi! Allez, tout ça! Alors, on se balance. Ok, mais quelle entrée incroyable. Appuyez sur X pour réaliser une frappe de toile. Allez, salut les potos. Alors, accumulez de la concentration en attaquant vos ennemis. Plus vous avez de concentration, plus vous infligez de dégâts. Augmentez votre compteur de coups pour gagner en concentration plus rapidement. Le combat aérien génère également un bonus de concentration. Ok, c'est parti. Réalisez une projection aérienne. On nous le propose encore une fois. Attendez, on va essayer de le faire sur le prochain ennemi. Attends, je vais essayer de me téléporter vers lui. Très bien, hop, projection aérienne. Et là, combo aérien, franchement, c'est tellement stylé. Hop, et on peut se diriger effectivement avec la toile directement sur un ennemi, c'est très pratique. Esquive. Qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà, je me dirige vers toi, je te frappe, projection aérienne éventuellement. J'ai voulu esquiver, j'ai voulu faire un truc. On va devoir être créatif effectivement également sur ce jeu parce que je suis sûr qu'on peut faire des trucs assez spéciaux et trucs de fifou. Hein. On va essayer de se faire un petit peu plaisir. Ok, l'esquive par derrière, clac clac. Ça c'est stylé franchement. Concentration pleine. Alors, utilisez la concentration pour vous soigner. La quantité de santé récupérée dépend du niveau de concentration. D'accord. Ok, donc on appuie sur le bouton en bas. Très bien. Et n'oublions pas qu'on peut également lancer des objets. Hein. Ok, on s'accroche à un point comme ça. Et après, je peux attaquer. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Entoilez vos ennemis. Allez, c'est vrai qu'on peut faire ça. Il m'a attaqué, celui-ci. Pas gentil. Je suis pas d'accord. Ok. Je t'entoile. Et après, comme ça, je peux tranquillement te fight. Je crois que c'était le dernier. Ah, petit souci de caméra. Très léger. Allez, allez! Ils ont bloqué les ascenseurs! Par les escaliers! Je préfère une approche plus directe. Spider-Man, au rapport. Je suis en train de monter. Priant pour que personne ne prenne l'ascenseur. Nos hélicos essuient des tirs. Fisk semble avoir posté des hommes armés à tous les étages. Il a peur. Et on peut dire qu'il ne lésine pas sur les moyens. Je dois le trouver et l'arrêter. Pas encore. On vient de capter un message. Ils sont en train de vider leur serveur. Il nous faut ses preuves si on veut le faire tomber pour de bon. Ok, cap sur les serveurs. C'est Aunt May. Il vaut mieux que je réponde. Hostile à l'état supérieur. Salut Aunt May. Que c'est que ce bruit? Je regarde un film de super-héros. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'assurer qu'on dîne toujours ensemble demain soir. Bien sûr! Écoute, je dois te laisser! D'accord. Je t'embrasse. Moi aussi! Alors franchement, l'action est tellement dynamique.
que c'est très 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 compliqué de commenter cette vidéo, on va pas se mentir non plus hein. Mais franchement le jeu est exceptionnel, vraiment le système de combat repris bien sûr d'un Batman Arkham, ça défonce. Alors une barre de concentration pleine vous permettra de réaliser un coup de grâce et d'assommer instantanément un ennemi. Ok, attends, on sert de ça, donc on appuie sur triangle et rond. Très bien, on tente, attention. Oh là là, c'est tellement magique. Attention, on esquive bien sûr à chaque fois, faut y penser. Hop hop hop. Attends, je me dirige vers celui-là, hop. Bam bam. Très bien, toi, attaque spéciale. Et en plus, elles sont hyper variées, elles changent à chaque fois. Ok, ça c'est super. Attends, j'essaie de faire une attaque aérienne après, histoire de varier un petit peu les coups. Hop là. Et voilà, ça dégage. Énorme. Je trouve ces serveurs avant que l'épreuve ait disparu. Alors, entrer dans la salle des serveurs. Ok, on fait comment? Tu m'expliques? Ah d'accord, c'est par là-bas. Autant pour moi. Si je passe par là, ils détruiront toute l'épreuve. Alors, chercher des ennemis. Mieux de chercher un accès discret. Ah oui, effectivement, ce sera mieux. Alors, et attends. Voilà. Ah, c'est par là. Allons-y. Je rentre pour bonne conduite. Fisk est peut-être un sale criminel, mais sa ventilation est hyper propre. Plus vite, le boss veut que tout disparaît. Alors, réaliser une élimination depuis une aération. Ok. Coucou, toi. Ils sont trop mignons quand ils se doutent de rien. Easy. Ah, c'est trop stylé quand même. Hein. C'est le service technique? J'ai oublié mon mot de passe. C'est bon, il est bientôt cuit. Non, je suis pas encore cuit. Attention, suppression totale. Tout va bien pour moi. Hop là. T'as les objets en plus, ça c'est génial. On peut se soigner. Coucou. Facile. On va tester l'efficacité de leur sécurité. Oh, vous avez oublié d'installer le dernier patch. Se cacher dans la salle des serveurs, c'est lâche. Même pour toi. Hey, c'est pas moi qui efface vite fait mon historique de recherche. Après toutes ces années, tu n'as pas changé. Tu es toujours un gamin naïf. Hein? Mais c'est ce qui fait mon charme, non? Va au diable. Enfoncez-moi cette porte, et vite! Mais fils, que tu sais très bien que je vais te faire ta fête. Allez, on maintient, projection aérienne. Maintenez, oula, triangle pour saisir vos ennemis. Ok, d'accord. Regarde, ça c'est nouveau toi. Encore. Il y a tellement plein de choses, quoi. Qu'est-ce que tu as accompli, toi? Eh ben, une fois, j'ai arrêté un gros criminel prétentieux avant mon petit déjeuner. Sans moi, la personne que je tiens en laisse va se répandre. Et ce sera ta faute. On en a vécu des choses, Fisk. Presque triste que ça s'arrête. Loin de là. Dans ce cas, prépare-toi bien pour la suite. Tu ferais mieux de fuir. C'est cette esquive de malade encore une fois. Le Spidey. Et voilà, concentration pleine en plus. Nickel. Victory, une explosion à... J'ai vu. Fisk a pu piéger tout le bâtiment. J'envoie une unité de déminage. Je ferai en sorte qu'ils aient le champ libre. Tuez-le. Hop, c'est pour toi, cadeau de la maison. Ah, j'avoue que les super attaques comme ça, elles sont juste phénoménales, quoi. Ok, je l'ai envoyé chier, viens par ici, toi. Et voilà. Easy. Du coup, alors attends, on va où maintenant? Là-bas. Ah, il faut se repérer, hein. C'est bon, on y va. Salut les gars. Les bombes font partie du plan de Fisk pour fuir. Ils doivent être coincés. Occupez-vous d'eux, nous on se charge des bombes. Ok, j'y cours, j'y vole. Allons-y. Au secours! Tout le monde dehors! Évacuez le bâtiment! Spidey à la rescousse! Je viens vous sauver, je viens vous libérer! D'autres personnes par ici, ok. Eh ben on va essayer de les trouver. Spider-Man! On est coincés! On peut pas bouger! Je vais les soulever! Dès que possible, foncez! Si vous pouvez, aidez les blessés, compris? Allez, où est ça? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Allez, allez, allez!
pas, Woody. J'arrive. Spider-Man, c'est Yuri. Comment ça va, capitaine? Ça pourrait aller mieux. Nos hélicos ont souffert. On a dû rappeler le dernier. Si Fisk appelle un hélicoptère, on n'a rien pour l'empêcher de se poser. On n'a rien pour le poursuivre s'il décolle. Pourquoi j'ai l'impression que c'était son plan depuis le début? Parce que c'est sûrement le cas. Non! Yuri, faites monter les secours, vite! On essaie. J'aime pas trop ça! Attention! Ah ouais, carrément la roquette quoi, tout va bien. Il se fait pas chier lui. Ah oui, double roquette! D'accord! Eh, vous êtes chaud les mecs? J'arrive! Même les roquettes ça ne m'arrête pas. Toi, je vais t'envoyer par-dessus bord, évidemment, si possible. Si j'y parviens. Oh, attention! Eh ben franchement, j'ai eu chaud là. Hop là! Oh non! Oh, comme ça fait mal! Oh là là! Bon, j'avoue, je voulais goûter à la roquette. Terrible. Attention, c'est pas encore fini. Je suis là! Oh, attaque depuis le mur, ça c'est stylé aussi. Et voilà! Ok. Comment l'équipe de déminage a réussi à passer ça? Bah, comme ça. Hop là! Attention, y'a pas d'ennemi. Alors attends, réaliser une esquive vers un mur, appuyer sur carré pour une attaque murale. Ok, attends, je teste. Attention! Hop là! Oh, trop stylé! J'adore! Et on va devoir combiner tout ça. Oh, il y a tellement de combos à faire dans ce jeu. Et encore, on est loin d'avoir tout vu. Hein. Oh, attention à ma santé quand même. J'ai pas envie de mourir tout de suite. On va se calmer. Et c'est assez tendu d'ailleurs. Ok, je vais te faire ta fête. Attention, esquive. Encore une fois. Salut mon gars. Hop là. Tu vas te calmer. Hein. Je te le dis. Vite fait, bien fait. Hop là. La salle est sûre. Les démineurs peuvent être quelque part devant. J'espère qu'ils vont bien. J'ai récupéré un petit peu de concentration, de quoi me soigner un petit peu. Parce qu'on n'est pas très bien. Vous allez bien? On était sur le point d'appeler des renforts. Eh ben, je suis là. Passez devant. On sera juste derrière vous. Attention, chef. Ah d'accord, ils sont pas avec moi. Super. Étonnant. Alors, les ennemis dotés de boucliers bloquent les attaques frontales, mais sont vulnérables dans le dos. Ok, appuyez sur triangle pour réaliser une frappe de toile. Appuyez sur rond pour réaliser une esquive glissée après une attaque. Ah ok, c'est ça. Ah bah alors, j'ai déjà fait en fait. Ça va. Ok. Ok. Ça se fait. Votre plan n'a pas marché. Bon attends, ils ont pas tous des boucliers, hein, ça va. Mais je pense que c'est vachement utile hein, comme attaque quand même. Hop là. Non, génial. Ok. Bam bam. Esquive. Joli. Attention. Esquive-moi ça, gros. Ah ok, là t'es obligé, hein. Tu vois, sinon tu passes pas le bouclier. C'est bien pensé. Calmos, muchachos. Et toi, tu vas te calmer là-bas. Quelques salves de toile. Et je me débarrasse de toi. Hey Yuri, on dirait que certains de vos hommes bossaient pour Fisk. Bonne nouvelle, c'est que c'était le dernier rempart de Willy. Je suis devant son bureau. Arrêtez-le, maintenant. Avec plaisir. On écrit ses mémoires ? Oublie surtout pas le tirer entre Spider et Man. Préparez l'hélicoptère, ce ne sera pas très long. Je suis surpris que t'aies pu venir jusqu'ici. Mais tes pitreries s'arrêtent là. T'es conscient que je te vois toujours là ? 8 années de cette insolence. C'est pour moi ? Fallait pas ? Oh là là !
Attention! Esquive maximale! Alors, qu'est-ce qu'on fait? R1 de façon répétée pour entoiler la tourelle. Ah d'accord, faut l'entoiler! Ok, j'ai compris! Calme-toi! Après, faut la saisir. D'accord. Viens par là. Ah ok, ça brise la glace! Intéressant. Ok, ok, j'ai compris. Ah! Ouh! Attention. C'est bon. Hop là. Comment c'est possible? Eh ben Wally, t'as pas l'air content? Je vais t'aplatir! Essaye toujours! Oh là, attention! Ok, L1R1, je chope l'objet. Façon répétée. T'as rien à voir. Une ouverture. Très bien. Et là après on peut le frapper. Ok. Ouh! Attention. Ouah! Calme-toi! Fisk, reste cool! Ok. Et après, faut se barrer vite fait, bien fait, parce que là, c'est un peu risqué. Ok, donc on répète le même schéma à chaque fois. Et c'est efficace. Ouh là là. Tendu. Nice. Tout ce que cette ville a de pire! J'allais dire la même chose de toi! Vous savez quoi faire! Allez! Encerclez-le! Ok, ça risque d'être compliqué, mais moi je vais continuer avec toi, Fisk! Essaye de te taper un maximum. Par contre, faut faire attention aux autres. Par contre, c'est un petit peu un taureau, hein, le Fisk. À mon avis, il va leur rentrer dedans, voilà, c'est ce que je pensais. Excellent! Attends, je m'écarte parce que Fisk, il me fait peur quand même, je t'avoue. Ok. Oula, d'accord. Il envoie des gars. Mais il est fou, lui. Il est fou, celui-là. Wow. Attention. J'y vais. Je m'occupe un petit peu des petits. C'est tendu, hein. J'avoue que c'est ultra tendu, quand même. Ok, je fais un petit peu les petits pour en avoir plus que le grand à m'occuper. Ce sera mieux. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps. C'est un petit peu embêtant, ça. Protéger le boss. Alors attends, je pense. Waouh! Je pense qu'il faut s'occuper du boss, mon perso. Ok. Je reviens. Perds pas le fil. Waouh! Viens par là. Attends, je m'occupe de lui là. Hop hop hop. J'ai récupéré du lance-toile. Attention, c'est pour toi, Fisk. Allez! En fait, je pense qu'il faut tuer un petit peu des petits pour pouvoir avoir une fenêtre d'ouverture pour attaquer le gros. Très bien. Excellent. On le met mal là. J'avais pas suffisamment de lance-toile. Mal joué. Attends que ça se recharge. Donc c'est en haut à droite de l'écran. Hop là. Esquive. Wow. Aïe, il m'a chopé. Ah, c'est compliqué hein, ce combat. Hein. C'est un petit peu un combat de boss en même temps. Voilà. Ok. Concentration pleine. Prends ça, mon Fisk! Cadeau de la maison! Ok. Immobilisation. Attaque! Oula, attention! Séquence de QTE. Et ce n'est que la première, effectivement, de la vidéo. Il y avait quelques personnes qui avaient peur un petit peu. C'est bon. Il y avait quelques personnes qui avaient peur qu'il y ait trop de QTE dans le jeu. Mais écoutez, pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Alors, c'est là qu'on s'embrasse ? Ah, et plus tard. Alors tu vas enfin voir Riker. C'est drôle, je crois que t'as plus d'ennemis que moi là-bas. T'imagines vraiment que ce petit désagrément va suffire à m'arrêter ? Bon, faut que je file. Hey, bonne chance, Willy. Je crois que tu vas en avoir besoin. Crétin, c'est moi qui maintenais l'ordre dans cette ville. Tu verras,
Dans un mois, tu vas me supplier de revenir! Le Kingpin va aller en prison. C'est la fin d'une époque. Faudrait fêter ça. Ou peut-être prendre des vacances. Et voilà, la première mission est terminée, franchement. Eh ben, ça donne envie de voir la suite, clairement. Niveau 2, on passe au niveau supérieur. Augmentation santé, santé plus 10. Et regardez-moi ce panorama. Plus 5 points de compétences. Ok, directement, on va voir un petit peu l'arbre de compétences. Alors, vous êtes passé au niveau supérieur et vous avez gagné un point de compétences. Ok, vous recevez des points de compétences lorsque vous gagnez suffisamment de points d'expérience. Appuyez sur X pour continuer, très bien. Terminer des missions, éliminer des ennemis pour gagner de l'XP et des points de compétences. Logique. Alors, innovateur, défenseur et tisseur, on a différentes améliorations. Alors, maintenez triangle pour saisir et projeter les ennemis entoilés et électrifiés. Vous pouvez les jeter sur d'autres ennemis ou les coller à un mur. Défenseur, appuyez sur rond lorsque votre sens d'araignée devient bleu pour contrer vos ennemis avec une toile en pleine tête, génère un bonus de concentration. Ah, c'est bien ça. Et tisseur, maintenez carré dans les airs pour envoyer un puissant coup pied latéral à vos ennemis. Ok, je vais prendre le côté défenseur, l'esquive parfaite. Je pense que c'est plus intéressant vu qu'on esquive régulièrement, donc forcément, je trouve que c'est top. Allez, je prends ça, esquive parfaite, fait à présent partie de technique. Ah ok, et il y a un menu technique. Ah ouais, mais c'est comme un jeu de combat en fait. Énorme. Ok, ok. Esquiver au dernier moment pour réaliser une esquive. Donc c'est quand c'est bleu, hein. Apparemment, ouais, c'est quand ça passe au bleu. Très bien. Ça a l'air top, ça. Ok. Waouh. C'est impressionnant, quand même, hein. Encore une fois, c'est très très beau. Allez au travail. Ok. Allons-y. X pour réaliser un lancement. Très bien. Bon, je pense que c'est pas obligatoire, mais disons que, voilà, on est plus rapide. Peter, où es-tu? Le comité va arriver. Nous devons encore vérifier le matériel. Je suis tout prêt. À quelques rues! Je me débrouillerai sans toi. Non! C'est trop dangereux! Mais non, t'inquiète, j'arrive. Je suis pas loin. J'adore l'enthousiasme du Doc, mais ça a le don de lui créer des problèmes. Je ferais bien de me dépêcher avant qu'il se blesse. Et on va retrouver le Doc. Oula! Je me suis pris le mur par contre là! J'ai rien compris à ma vie quoi. Ok. Et franchement, moi, ce que j'adore dans les Spider-Man, c'est véritablement le fait de courir sur les murs. Ça, franchement, c'est grisant. Alors, maintenez L3 dans les airs pour plonger. Attends, je vais essayer. Je saute. L3. Ouh. Ah oui, d'accord. C'est un plongeon et on récupère de la vitesse, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Ça, ça a l'air vraiment au top. Franchement, c'est vrai que la liberté d'action, encore une fois, de se balader comme ça, on peut passer des heures et des heures rien que pour découvrir New York qui a l'air superbement bien modélisé. Oh là là. Franchement, c'est pour ça que j'aime les Spider-Man. Et j'espère qu'on pourra faire des figures aussi. De toute façon, je pense qu'on va découvrir plein de choses. Hein. Là, c'est que le début. Hein. Oula. Attends. Essaye par contre de... Voilà, c'est bon. Très bien. On est arrivé. Pardon, je suis en retard. Je me... Wow. Vous avez déjà commencé? La direction du comité de subvention sera bientôt là. N'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement, je crois pouvoir m'en sortir. Le filtreur électrique! C'est pas vrai! On devrait peut-être arrêter! Pas encore! Tenez bon! Ah, Docteur Octavius, est-ce que ça va? C'est pas encore ça. Mais on progresse. Vous êtes blessé? Non, mais tout était de ma faute. Attendez, les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances. D'un certain point de vue, c'est un développement très positif. L'odeur n'augure pourtant rien de positif. Je vous assure, la phase suivante... Ne nous emballons pas si vite. Est-ce qu'on pourrait aller en discuter autre part? Tu peux prendre le reste de ta journée, Peter. Mais on en reparlera plus tard. C'était une catastrophe. Pourquoi le filtreur a pas marché? Le doc m'a dit de prendre ma journée, mais...
Je veux comprendre ce qui s'est passé. Oh, t'es pas en grande forme, toi. Oh bah ça a l'air de marcher un petit peu, mais un petit peu bloqué quand même, on va pas se mentir. Voyons d'où vient le problème. Alors, réparer le bras artificiel. Ouais. On va tenter. Et donc, on a fait la rencontre du docteur Octavius. Le fameux Octopus. Vous connaissez. L'un des plus grands méchants de Spidey. Alors, piste cerveau-motrice endommagée, cerveau-moteur déconnecté, commande de tension. Échec, échec, échec. Le circuit a grillé. Oh, c'est pas vrai. Si j'avais été là pour faire les contrôles, je l'aurais remarqué. D'accord, établissez une connexion entre la pièce de départ verte et la pièce d'arrivée orange. Bon, ça a pas l'air sorcier, vu comme ça. Donc l'entrée verte, c'est là, et l'orange, je suppose qu'il faut faire le tour. C'est par ici. Très bien. Eh bien, écoute, on est parti. Ok, on a un inventaire avec des pistes cervomotrices. Très bien. On va mettre ça. Bon, ça a pas l'air sorcier non plus, hein. Voilà, très logiquement. En plus, on a ce qu'il faut. Ah, je pense que des casse-têtes comme ça, il y en a qui seront beaucoup plus compliqués. Non, attends, c'est pas ça, par contre, c'est le tout droit, là. Voilà, je pense qu'il y en aura des plus compliqués, effectivement, au fur et à mesure du jeu, hein. Ça, c'est sûr et certain. Ça y est. Ah, ok. Composants réparés. Très bien, très bien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a trois composants. On redirige les commandes du cerveau moteur. Alors, certaines pièces ne permettent de connexion que dans des sens spécifiques. Ok, et à chaque fois, bien évidemment, les schémas sont différents. Logique. Alors, viens voir. Là, ça passe. Au niveau du sens des flèches, là, c'est bon. Par contre, là, est-ce que celui-ci, on peut l'utiliser? Non, c'est dans l'autre sens, au niveau des flèches. Ok, c'est assez intéressant, tout ça, quand même. Hein. Moi, j'aime bien. Puis voilà, ça change un petit peu. Ça... Comme ça, il n'y a pas que de l'action et des combats dans le jeu. Ça apporte quelque chose de différent et de rafraîchissant, je trouve. Attends, on va prendre ça. Ah, j'en ai plus. Ok, donc je prends celui-ci. Là, logiquement, on prend celui-là. Là, ça devrait passer. Et enfin, tout droit. Parfait. Parfait. Un petit casse-tête sympathique. Pas trop compliqué. Et on redistribue. Ah ok, mais ça va se compliquer. Alors, pour configurer les commandes de tension, vous devez respecter les conditions de charge. Ok. Certains composants électriques, du moins, fournissent une charge positive ou négative. Ah oui, donc le rouge et le vert. Hein. Ok, moins 1. Je vois. Ça a l'air intéressant tout ça. Alors admettons plus 1, faut atteindre 3 au niveau de la tension. Ok, moins 1. Et là admettons, on repasse à... Donc plus 2, là il faudrait plus 2 sinon. Ouais, là il faudrait plus 2. Comme ça au moins ça ferait 3. Et après on termine le circuit. Ok. Cool. Fini. Finish. C'est une réussite. Réussite, réussite et réussite. Yeah. Installation terminée. C'est plutôt cool. Voyons si ça marche. Attention. 39. Ah, ça bouge mieux. L'articulation effectivement va mieux, il va en haut. Classe. Le doc a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses. Il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. J'ai qu'à faire ça maintenant. Ok, allons voir ça. Le spectrographe. Substance inconnue trouvée. Le doc a testé un nouveau conducteur pour les prothèses. Alors, votre objectif, identifier une substance inconnue grâce à son spectre d'absorption. Utilisez les fragments de la substance inconnue et faites correspondre les raies d'absorption avec le spectre. Appuyez sur X, d'accord, utilisez le stick pour déplacer le curseur, prendre un fragment. Ouais, d'accord, il faut que ça corresponde à... D'accord, au motif. Ok, on y va. Donc par exemple, celui-là, c'est celui-là. Enfin, je suppose, hein. Placez le fragment sur un emplacement disponible et tentez de faire correspondre les raies d'absorption. Ou j'ai compris. Enfin, je pense avoir compris. Ok, ça on le met au milieu. Et logiquement, là il y en a 3. C'est celui d'en haut. Très logiquement, c'est ça. Voilà. Bon, en plus, c'est bien expliqué, donc franchement, pas de problème. Un composite hydrogel polymère. Résistant, mais avec une forte impédance. Je devrais dire au doc d'explorer d'autres pistes. C'est une réussite en tout cas. Eh oui. Bon, je ferais mieux d'y aller avant d'aggraver encore la situation du doc. Et maintenant on peut quitter le labo. Spider-Man, c'est Yuri. Alors Fisk est arrivé à Riker ? Non, pas à Riker. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Ah! Il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Le gratin est là-bas. Fisk devrait être content. Vous pourriez passer au commissariat?
J'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout particuliers. À vous, Yuri. Je refuse rien. J'arrive tout de suite. Bien sûr, Yuri, j'arrive. Mais tu attendras la prochaine vidéo. Allez, bah écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur Spider-Man. Et franchement, pour l'instant, ça n'augure que du bon pour la suite. Merci à tous. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu. Ça permet de soutenir la vidéo, la série, la chaîne YouTube. Ah, on a un petit speech de JJJ. De Jameson, alors on n'est pas obligé de l'écouter, de toute façon on aura l'occasion de tous les entendre pendant l'aventure. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous laisse là, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous voilà pour être alerté des prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, ciao ciao !